J'ai passé un coup de téléphone hier soir pour le soleil et il est au rendez-vous, donc je vous remercie. Moi, je suis le provincial typique, donc quand je suis à Paris, je suis toujours content. Il y a une super vue sur la Tour Eiffel. J'ai d'ailleurs déjà fait une photo pour envoyer à mon petit garçon. On est là pour partager, on est là pour mailler, on est déjà pour aussi pour s'amuser un petit peu. Hein. Je ne crois pas que la tribu des directeurs financiers soit représentée par ces instruments de travail ou de chasse au musée, mais c'est en tout cas un très beau lieu. Faisons-nous plaisir et puis profitons, savourons. Pour ce qui nous concerne, c'est une histoire de Sioux. On est 8 Sioux aujourd'hui, voilà. Donc on va pas rentrer en guerre avec les Apaches, très concrètement. On va plutôt essayer de s'entendre. Oui, je suis un Cheyenne, oui. Pourquoi pas les Cherokees ? L'ambiance monte petit à petit finalement, puisqu'il y a de plus en plus de monde. On a commencé à 100 et puis on va terminer, je crois, entre 500 et 600 personnes. Vous écoutez plus ? Là, on fait une petite pause parce qu'on est là depuis le début, très attentif. Et voilà, on boit un petit verre et on y retourne. Ah, ça fait du bien d'avoir une petite pause, oui, oui. Je suis allé déjà faire un petit tour et puis je... Vous avez quitté le colloque ? Oui, mais il ne faut pas le dire. Après l'effort, le réconfort, partout. Vous avez un casque à la main, c'est parce que vous partez ? Non, j'ai un casque à la main parce que j'ai oublié de le mettre au vestiaire. Et c'est une très bonne entrée en matière de votre part parce qu'on est justement en train de parler moto avec mon interlocuteur là. Est-ce que vous avez bien travaillé aujourd'hui ? Énormément. Je sais pas si j'ai bien travaillé, mais j'ai bien écouté. Est-ce que le directeur financier est un Indien dans la plaine ? Là, c'est une bonne question. On pratique beaucoup dans les entreprises l'incantation. Donc, on est davantage des sorciers, que quelquefois des chefs de clan. Je pense qu'il vaut mieux être des cow-boys que des Indiens, vu le sort qui a été réservé aux Indiens. Il ne faut pas arriver au bureau avec une plume plantée sur la figure, sur les cheveux. Il ne faut pas se distinguer de cette façon-là. On doit effectivement... parfois aller un peu seul dans les grandes plaines pour aller améliorer la rentabilité de l'entreprise et c'est vrai que ça fait partie de notre métier. 3, 2, 1. Et voilà, bon anniversaire. Bon anniversaire. J'espère que c'est pas un contrôle d'alcootest, hein, parce que vu ce que je bois...